Alain Deneria, comment on vit le métier ou la fonction de maire aujourd'hui ici dans une petite commune de montagne? Ouh, alors là, ça devient compliqué, complexe, parce qu'on nous rabâche les oreilles depuis des années, voire des années, en disant qu'on va simplifier la vie administrative d'une mairie ou d'une commune. Or, c'est tout le contraire. Je dis qu'aujourd'hui, être maire ou être élu dans des communes rurales et touristiques comme la nôtre, c'est un vrai casse-tête permanent. C'est un casse-tête permanent, du matin au soir, du soir au matin. Les nuits sont parfois blanches, souvent même. Et puis il faut tout faire à la fois. Il faut être juriste, il faut être comptable, il faut être assistant social. Il faut savoir tout faire. Le maire est toujours responsable. Il est toujours, responsable. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on en a un peu marre. Et on a l'impression que rien n'est fait pour comprendre ce qui se passe dans nos communes. Nos gens qui nous dirigent depuis Paris prennent des décisions, mais ils viennent rarement sur le terrain pour vivre au quotidien la vie d'une mairie, quoi. Qui plus est d'une mairie comme la mienne, où on a 650 habitants, ou un peu plus, mais où on a 12 000 lits touristiques. Donc on a un fonctionnement qui est très élastique, je vais dire. En période comme maintenant, au mois de novembre, tout va bien, c'est facile, mais dès que les touristes vont arriver, du jour au lendemain, tout est compliqué. L'été, c'est pareil, et on est responsable. On est toujours de plus en plus responsable. Et ça, au bout d'un moment, il faudra peut-être revoir le statut des élus et des maires pour leur faire un peu plus confiance. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que on a l'impression que on n'a plus confiance aux élus et que tout le monde veut être calife à la place du calife. Et donc, on n'est pas des gamins quand même. On connaît nos communes depuis le temps qu'on traîne nos guêtres, j'ai envie de dire. Alain Deneria, qu'est-ce qu'on peut dire à Emmanuel Macron, qui dirige ce pays, qui voulait justement un monde nouveau, hein? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Lui dites quoi? Mais j'ai envie de lui dire, venez passer un mois chez nous, où vous allez vous rendre compte tout de suite. Et puis j'ai envie de dire aux élus, enfin pas aux élus, mais aux représentants de l'État, arrêtez de nous emmerder. Parce que quand vous additionnez tout, la vie au quotidien d'une mairie, vous mettez là-dessus les PLU, les PLU qui nous contraignent comme c'est pas possible, les plans de prévention des risques naturels, et j'en passe, et des meilleurs. Au niveau de la gestion du foncier public et privé, c'est un vrai casse-tête. Et on est assailli de gens qui nous disent « mais c'était constructif, je peux plus construire ». On voit nos jeunes qui s'en vont habiter ailleurs, donc une population qui diminue contrairement à ce qu'on croit. Ils vont habiter ailleurs parce que le foncier est trop cher, et ça, c'est pas supportable. C'est pas possible. On a des jeunes qui voudraient rester, mais ils peuvent plus vivre au pays, on va dire. Voilà. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup.